Bassirou Diomaye Faye à Abidjan. Le président sénégalais a rencontré ce mardi le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. Les détails dans ce 7 minutes. Des agents des eaux et forêts montent au créneau. Réunis au sein de 7 syndicats, ils réclament de meilleures conditions de travail. Et puis, une note triste va refermer ce journal. La chroniqueuse Marie-Dominique Kakou de l'émission Pipolémique diffusée sur La 3 s'en est allée. Nous y reviendrons. C'est une visite d'amitié, de fraternité et de coopération. Le président Diomaye Faye a rencontré mardi 7 mai son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Pour le nouveau président sénégalais, cette visite représente une occasion privilégiée de renforcer les liens historiques qui unissent les deux nations et d'explorer de nouvelles avenues de coopération bilatérale. La Côte d'Ivoire et le Sénégal entretiennent d'excellentes relations. Avant l'indépendance et depuis l'indépendance, j'indiquais que le président Oufouette a vécu au Sénégal et moi-même, et nous avons établi des relations de coopération, d'amitié, de vraies relations fraternelles, mais également des relations diplomatiques. Et ces relations nous ont permis de part et d'autre d'accueillir une forte communauté de Sénégalais en Côte d'Ivoire comme de Ivoiriens au Sénégal. Les enjeux stratégiques de la région, notamment ceux liés à l'Union économique et monétaire ouest-africaine, ont été également abordés entre les deux chefs d'État. Ensemble, nous pouvons exploiter beaucoup de potentialités qui existent dans les deux pays et renforcer cette coopération économique et commerciale que nous avons tout le temps entretenu, mais qui doit, avec chaque régime qui vient, qui trouve un autre dans l'autre pays, connaître une certaine croissance toujours plus accrue. À la cérémonie d'investiture de Diomaye Faye à Dakar le 2 avril dernier, c'est le vice-président ivoirien Thiemoko Meillet Kone qui avait représenté le chef de l'exécutif ivoirien Alassane Ouattara. Par ailleurs, dans le cadre du renforcement de leur coopération, le Sénégal et la Côte d'Ivoire avaient signé à Abidjan en juin 2019 5 accords au cours d'une visite d'État du président sénégalais d'alors, Macky Sall. C'est un virage politique significatif en Côte d'Ivoire. Ahmed Kofi Zahour, homme d'affaires et président fondateur du mouvement de la société civile Agir pour la Côte d'Ivoire, a rejoint les rangs du PDCI RDA. Une décision prise, selon lui, pour apporter sa modeste contribution en vue de renforcer le parti et assurer une victoire éclatante lors de l'élection présidentielle de 2025. Le PDCI RDA, avec ses valeurs de paix, de solidarité et de progrès social, représente pour moi le pilier idéal pour œuvrer à l'édification d'une Côte d'Ivoire plus juste et prospère. Je m'engage avec détermination à apporter ma modeste contribution pour renforcer notre parti et assurer une victoire éclatante lors de l'élection présidentielle de 2025. Ahmed Kofi Zahour, professionnel du négoce international des matières agricoles, n'est pas un novice en politique. Zahour, qui est l'un des fondateurs de l'Association des jeunes rénovateurs du PDCI RDA, a joué un rôle actif dès les années 1990 en soutenant l'ex-président Oufouette Boigny à une époque tumultueuse. Des conditions de travail alarmantes et plusieurs préoccupations non prises en compte par l'administration. Voici les situations dénoncées par 7 syndicats des agents des eaux et forêts réunis en Assemblée générale. Le non-reversement de certains frais à la régie, comme par exemple les pénalités de reboisement compensatoire, piétinant ainsi le décret numéro 2013-484 du 2 juillet 2013 portant institution des recettes forestières non fiscales au sein du ministère des Eaux et Forêts. Les syndicats ont formulé plusieurs exigences, notamment l'application des résolutions prises pour moderniser et sécuriser le système de recouvrement des recettes. Ils réclament également le versement des pénalités et autres frais conformément aux décrets subventionnés. Les 7 syndicats cités plus haut, réunis dans les mêmes rythmes et les mêmes cadences avec les agents, voudraient. Sur la question de la régie, l'organisation d'un séminaire entre syndicats et l'administration a l'effet d'identifier les ressources pour redynamiser la régie des recettes. Le reversement
des pénalités de reboisement compensatoire, des frais liés au concours et tout autre frais pour se conformer au décret numéro 2013-484 du 2 juillet 2013 portant l'institution des recettes forestières non fiscales au sein du ministère des Eaux et Forêts. Ces organisations syndicales se disent disposées à poursuivre le dialogue social avec le gouvernement en réaffirmant leur engagement dans le cadre du protocole d'accord de trêve sociale de 2022 à 2027. Bonne nouvelle pour les jeunes d'Abobo. L'Union de la jeunesse communale a lancé un projet d'aide à leur autonomisation. Une initiative visant à leur offrir des opportunités de formation, d'insertion professionnelle et d'entrepreneuriat. Dans ce projet-là, il est question de l'entrepreneuriat et des questions de financement aussi des jeunes de la commune d'Abobo. Il faut dire que pour cette année 2024-2025, l'Union de la jeunesse communale d'Abobo a décidé d'octroyer la somme de 5 millions de francs CFA pour aider nos jeunes entrepreneurs dans la commune d'Abobo. Le projet est financé par l'Union de la jeunesse communale d'Abobo à hauteur de 5 millions de francs CFA. Pour être éligible, il faut résider dans la commune et avoir un âge compris entre 18 et 35 ans. Aujourd'hui, que la jeunesse soit autonome, c'est une bonne chose. Elle apprécie. Je voudrais féliciter le président de la jeunesse communale d'Abobo qui a pensé, qui a pris une bonne initiative pour ce lancement. Il pense bien que le président communal d'Abobo a fait fort. Le projet d'aide à l'autonomisation des jeunes d'Abobo est perçu comme un bel exemple de mobilisation citoyenne et de solidarité en faveur des jeunes. Il incarne l'espoir d'un avenir meilleur pour ces jeunes qui font face à de nombreuses difficultés et qui ont désormais la possibilité de construire un avenir plus radieux. Comme annoncé dans les titres, l'univers médiatique ivoirien est en deuil. Marie-Dominique Kakou, chroniqueuse à l'émission Pipolémique sur la 3, a rangé son micro dans la nuit du lundi 6 au mardi 7 mai 2024. Sur sa page Facebook, le groupe de la RTI regrette le deuil avant de présenter ses sincères condoléances à sa famille, aux téléspectateurs et à son personnel. La veille de son décès, l'on pouvait lire sur sa page Facebook « La bienveillance peut être dans le regard, le sourire, l'écoute active, le toucher, l'attitude. » Face à la ruse, la jalousie, la haine, l'ego qui se normalise de plus en plus, la bienveillance est une arme absolue. C'est une vertu à cultiver et à pratiquer sans peur, sans honte et sans modération. Bon lundi, mes chouchous. Depuis l'annonce de son décès, les hommages ne cessent de se multiplier sur les réseaux sociaux. Les téléspectateurs et fans de la chroniqueuse se souviennent encore de la professionnelle qualité. C'est la fin de ce 7 minutes. Très bonne suite de programme sur cette info et sur cette info.ci.